Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode d'Anno 1800. Alors avec un peu de chance cette fois-ci ça devrait rouler hein. J'ai fait les... Donne le bâtiment. Voilà qui est bien mieux. Oh, c'est bien plus agréable ça. Ça fait plaisir. Alors c'est parti. Oui, tu veux l'autre vie, hein, de la bonne patate. Hein. Allez, on va te faire de la bonne patate, ma gueule. Ouais, on va mettre ça côte-côte. Ah oui, mais non. Ah oui, ça va être compliqué de te mettre ça côte-côte, puisque il n'y a pas de route pour venir jusque-là. Ou alors, faut que je décale d'un cran mon histoire. Mais puisque je ne paye pas... Eh ben, regarde. Voilà. Yes. Et ben voilà, c'est pas beau. Oui, mais alors juste ferme-la à un moment donné. 0 sur 72. Ah, ça, c'est des mini-champs, ok. Ouais, sauf que. Ouais. Alors, ouais, mais attends, 72. Là, il me dit combien que j'en fais. 27. Ah oui, c'est balèze quoi. Ah c'est balèze officiellement, hein. Faut faire un truc assez badass de base. Oui, c'est moi qui ai configuré comme ça. Tout va bien, c'est bon. C'est maîtrisé, le sujet est maîtrisé. Non, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, sale con. J'ai demandé à ce qu'on détruise ça. Mais sale con. Ça va vite m'énerver cette histoire. Ah, ce bout de route est moche. C'est moche. À moi ça. Ah ouais, non mais on est là pour faire aussi un joli jeu. Attention. C'est pas... Ne soyons point vulgaires. Je viens de faire ça. Non mais je viens de faire ça, il y a pas d'embrouille, c'est bien ce que je viens de faire, il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, c'est bien ce que j'ai fait, vous ne rêvez pas. Yes, on a presque envie de se demander pourquoi j'ai configuré mes touches si c'est pour faire des conneries pareilles. Et bien j'ai envie de dire, parce qu'au moins comme ça je peux me fistucher, je crois, terme exact. C'est fustigé le terme exact. Ah donc là on sera à 72. Ok. Oui sauf que je peux rien rentrer ici. Un dépôt c'est trop gros. C'est ça. Donc c'est con ce que je viens de faire. C'est ça. C'est très exactement ça. À moins que ça rentre. Je suis un génie. Ne le dites à personne mais je suis un génie. Je suis tellement un génie. J'aimerais bien vous expliquer à quel point mais... Je pense que vous ne pourriez pas comprendre. Vous pourriez toujours essayer, mais vous pouvez point. Ok. Par contre, celle-ci, faut la construire. Hein. Yes. Ah bah d'accord, c'était... Ok, c'était... Il fallait revalider... d'accord. Yes, intéressant. On peut virer ça? Non, on peut pas. Donne-moi des planches. C'est bon, on peut virer maintenant? Non, on peut pas. Nice. Donc, qu'est-ce qui vous arrive? Pas assez de monde. Ah, et plus assez de pécores. Il faut plus de pécores. Ouais mais alors attendez, moi plus de décor je veux bien mais alors je pense que l'idéal c'est vraiment de faire des très très grands quartiers bien sales comme il faut. Ouais donc je vais garder beaucoup de route. Non mais c'est dessus le jeu, je te dis un truc. Essaye de faire semblant de t'intéresser à ce qui se passe quoi. Ah ça a débordé. Ah ça déborde, c'est moche. Ah ça déborde pas, c'est pas mal. Ça peut être rigolo de faire ça. Je sais pas si c'est bien utile de construire bien plus de maisons que ça, j'en ai pas la moindre idée. Ok déjà va jusque là, ok, et ensuite viens jusque là. Très bien. Partie sauvegardée.
il y a intérêt d'avoir du gros bâtiment à mettre au milieu là, parce que sinon... Un pub. La taille du pub, s'il vous plaît. Ah ouais, la taille du pub est problématique. Bah il sera là. Et il est très joli ici. C'est bon, soyez contents, regardez. Ah, une route, ah, ah. C'était ça qui vous plaisait pas. Ah non, c'est que vous avez plus rien à bouffer. Ah merde, flûte, enfin, ça perd l'hippopète. C'est quoi ton problème à toi, je comprends pas. C'est quoi ton problème? Changement d'air en plus, hein. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a... Avec toi, nulle montagne n'est un obstacle. Je bite pas grand-chose, hein. Je suis désolé, hein. Je suis un peu paumé, là. Yes, Et bah yes, bah ça a l'air retourné cette histoire. On est en train de récupérer tranquillement du paysan, c'est ça? Ça a l'air de se faire. Frais comme la rosée. Et bah tant mieux pour toi. Je suis très content. Un parc modeste. Ah voilà, on peut planter quelques le trucs. Le temps a hein. passé depuis les funérailles. Quant aux frais, un petit pommier, c'était là. De l'extorsion. Rembourse-moi tout de suite ou vends ton affaire. Vous obligez à rembourser. J'en ai le ventre tout retourné. Comment Edvard peut-il oser nous en demander autant juste après la mort de notre père? Allez, à toi un peu. Ouais. Là, de l'autre vie là-dedans. Quatre autres villes là-dedans, qu'est-ce que je te dise de plus là? Quand vas-tu témoigner un peu de gratitude? De la gratitude, j'en sais rien, du gras quand tu veux. Hein. Yes. Alors oui, non, ce qui nous intéressait, nous, c'était de planter quelques arbres. Voilà, ça faisait très joli, tu vois. Ça fait un arbre sur deux, tu vois, quelque chose de esthétique, crois-tu? Ou pas alors? Ou alors? Attention. On part sur un truc complètement nouveau. C'est rigolo ça. On part sur un truc un peu new age, vois-tu. On n'a pas des trucs un peu moins gros? Un jardinet. Mais c'est trop mignon ça. Un petit puits. Mais c'est trop kawaii. Oh voilà, ça c'est joli. Ah très joli, voilà, on a habillé voilà, le tour. On fait le tour du machin quoi. J'ai presque envie de remettre des maisons ici, comme ça on n'en parle plus quoi, tu vois. Hop hop. Ah mais non. Oublie ce que j'ai dit, ça rentre pas, c'est vrai. Pourquoi ce bout de route? Pourquoi ce bout de route il est devenu possédé? Un pursuit de cette catégorie, mais on sait pas, on s'en fout, c'est bizarre comme truc. Voilà. Par contre, je vois pas pourquoi j'ai des panneaux d'exclamation partout. Qu'est-ce qui se passe? On produit pas assez de picoles, c'est ça? On a une info. On n'a pas tous les jours beau temps. Bonheur, progressez dans votre voyage. Ah, je peux pas les améliorer. D'accord. Alors, c'est quoi votre problème? Vous pourriez me rendre un petit service? Mon bétail, mon mari s'est fichu de moi quand j'y ai dit qu'il préparait quelque chose. Ils se tous enfuient sans eux, on va crever de faim, retrouvez-les s'il vous plaît. J'ai une requête, comme qu'on dirait à la ville. Ouais. Que vous ayez accepté. C'est quoi ton problème, madame? Il faut que je te retrouve tes bestiaux, c'est ça? Genre, nos fidèles ça ont récupéré, yes. Et veulent aller de l'avant. Organise-les. Il nous, yes, faut dégager. Alors, attends, un maximum d'espace. Oui, d'accord. Dégageons de l'espace, hein. Moi j'ai rien contre. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Maître d'équipage inhabituel en stock. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arrêtez tout. Oh, merde, hein. Voilà. C'est bon, là ça picole ce con. Toujours pas. Parti, sauvegarde. Ah, j'ai raté quelque chose, je pense, dans ma vie. En dehors de ma vie elle-même.
Ah mais ça marche pas, s'il manque un champ. Est-ce qu'il manque vraiment un champ? Tu devrais parler à notre humble cousin. D'après lui, des ouvriers se seraient soulevés à Bright Sands. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à mépriser Edward. Retrouvez votre cousin à la tête d'un attroupement non loin du site de construction de la grande exposition. Quand on travaille au... Alors, c'est ailleurs dans la street. Par là. Ah là. Oh, des fois je peux zoomer, des fois je peux pas. Plutôt mourir que rester. Nous sommes toujours fidèles à Samuel. Non à l'oppression d'Edward. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il faut que j'attrape des... dans la ville d'Edward. La contestation sociale. C'est déjà un peu plus calme. On va marcher. Le postulat de Hitler invite à approfondir les sujets. Voilà. Une vie loin d'Edward. Alors la banco. Le souci, c'est qu'on n'a pas de navire pour vous rejoindre. Ah. Bah, c'est moche, hein. Si vous m'emmenez, vous aurez mon bateau. Je l'ai hérité de ma pauvre tante. Son deuxième mari était un bon marin. Tout le monde est à bord? Bien. Je frémis à l'idée de rester. Oui, barons-nous. Parfait. Voilà, on a pris des gens qui sont pas contents. Et voilà, ta sœur et toi n'avez donc aucune dignité au point de me voler mes ouvriers. L'ambassadeur de la reine en entendra parler. On est très content pour toi. C'est formidable. Un enlèvement? C'est une grave accusation. Si je puis me permettre, excusez-moi. Nous avons quitté Edward de notre plein gré. Qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser la vie sauve? J'aurais dû me débarrasser de vous il y a longtemps. Je ne vois rien de criminel. Les querelles familiales sont monnaie courante et ne relèvent certainement pas de la couronne. Quant à vous, pardonnez mes manières. Sir Archibald Blake, ambassadeur de la reine et son plus proche confident. Malgré les circonstances, la nouvelle de votre retour nous a ravis, Sa Majesté et moi. La mort de votre père a été une tragédie. Nous sommes navrés qu'il n'ait pas eu droit à un procès équitable. La véritable tragédie, c'est le coût exorbitant de ces funérailles que personne n'a réglé, pendant que cette canaille juvénile vit sa vie de bohème. Hélas! Votre oncle a en effet porté à ma connaissance certains passifs qu'il vous revient d'éponger, je le crains. Sans quoi, je ne pourrais pas vous décerner votre permis de commerce royal. Edward a officiellement consigné notre dette? Ne vous en faites pas. Ce vieux tyran n'a plus aucune emprise sur nous. En effet. Sitôt que ma presse imprimée sera en état de fonctionner, la vérité reviendra hanter Edward. N'hésitez pas à utiliser mon navire à votre gré pour vous remercier de votre hospitalité. En voilà.
de bonnes nouvelles. On l'a pas entendu, mais en voilà de bonnes nouvelles. Incroyable. Bon, par contre, je produis pas assez de picoles à première vue. Hein. Ça, c'est un grave problème, une tragédie. Quant à la dette, je suis pieds et poings liés. Mais stockage de sans doute saturé. À sa majesté de voir prospérer une nouvelle entreprise. Ah, mais calmez-vous. Visiblement, il faut plus de dépôts. Plus d'entrepôts. Ah, voilà. Ah ouais, excellent, excellent. Edward cherchera peut-être à nous empêcher d'avoir un chantier naval. Mais pour l'instant, occupons-nous plutôt de trouver un toit à ces ouvriers. Yes, alors voilà, on va faire ça comme ça. On va cultiver de la sainte patate. Yes. On va déjà tirer une route. Vas-tu enfin te décider à m'exprimer ta gratitude? Si tu crois en avoir terminé. Votre navire va faire l'objet d'une inspection. La terre ne peut être exploitée que si nous avons assez de champs. Nous devons les aménager. Oui, bah deux secondes, je fais que ça des champs. Hein. Va falloir foutre la paix deux secondes. Alors, as-tu réussi? Dis-moi. Je sais pas combien je suis, 43. C'est pas assez. Alors, on va prendre de la place à côté. Oui, fous-moi la paix. Mouton noir, as-tu de la laine? Oui, monsieur, quatre poches pleines. Mais calme-toi, tu vas descendre d'un ton, pauvre con. Non, mais l'autre, il sent plus pété, quoi. Oh, je pourrais mettre une petite laine ici. Petite laine. Allez, petite laine. Et à côté, petite déco. Non, parce que moi j'y tiens la déco. C'est quoi, on va mettre un joli petit yeux jaune ici là. Je sais pas c'est quoi. Ah non, c'est un arbre comme ça. S'il vole. On a quoi? On a du 4 cases. Quel rouge au matin, danger pour le marin. Oh, quelle expression incroyable. Tu jardinais. Tu jardinais. Jardinais. Qu'est-ce que vous nous racontez, vous? C'est quoi ça? Mais non, mais c'est pas une filature que je clique là, c'est les pompiers. Faible risque d'incendie. Brigade de volontaires. Mobilisation impossible. Il faut plus de satisfaction. Attendez qu'Edward vous contacte au sujet de votre dette pour obtenir votre permis de commerce. Améliorer une résidence d'ouvrier. Qu'est-ce que c'est le problème? Quelque chose. Bah oui, il manque un petit quelque chose. Bon, enfin, deux secondes. Attends que ça se produise aussi. On y met. Ah, mais parce que je me suis gouré. Ouais, je suis gouré, je me déteste. Yes. Et c'était une distillerie qu'il fallait que je fasse. Non, mais on va y arriver. Moi j'y crois à mort. Vous n'y croyez pas, vous. C'est vraiment. Voilà, une distillerie de plus. Et du coup, ce qu'il nous faut, c'est ici. J'ai fait une filature, c'est ça. Mais du coup, il faut plus de fil. De fil pour faire des hatures. Ça comme ça, ça me paraît bien. C'est parfait. Ouais, je ferais mieux de détruire ce bout de route là qui est pas convaincant pour l'instant, mais vas-y. Mais non, ça c'est bon, ça on garde. Améliorer une résidence en truc ouvrier. Yes, bah n'importe laquelle. Hein. Vous avez franchi une nouvelle étape. C'est quoi votre problème? Pénurie de laine. Mais normalement, on doit être bon. Il faut 30 secondes pour en produire, 30 secondes pour machin. Oh, je comprends rien. Déblayer la fonderie abandonnée. Wow. Les ouvriers peuvent déblayer les débris les plus lourds de Ditchwater. Si cette île doit devenir le siège de notre nouvelle compagnie, alors il faut qu'elle soit impeccable. D'accord. Et d'accord, c'est ça qu'il faut déblayer. Un travail honnête, c'est tout ce qu'on veut. Yes, très bien, bah, je suis très content pour vous aussi. Hein. Un travail honnête, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je suis très content pour vous. Petite deuxième caserne de pompiers. Allez! Notre rêve d'ouvrir un chantier naval ne se réalisera pas sans une main-d'œuvre qualifiée et nombreuse. Elle est en train de se faire. Il me faut 150 ouvriers. Mais je vais pas mettre 150 mecs au chômage. Notre
projet de journal est en bonne voie. On peut en sélectionner plusieurs comme ça. Quelques jeunes reporters passionnés nous ont déjà rejoints. Ça, j'ai pas réglé. Hein. Ça, je sens que... Partie sauvegardée. Ah oui, d'accord, et ils vont pouvoir monter à 20 par résidence, ouais, parce que sinon j'allais dire 150, faut que je transforme tous les... Ouais, du coup j'ai plus d'agriculteurs. Yes, bah je suis bien d'accord avec toi mec, mais il me faut plus d'habitants. L'accès aux pompiers. Yes! Ah oui, il fallait, hein, parce que financièrement ça commençait à douiller un peu. Hein. Bon, on va continuer à améliorer les. Après, je sais pas, hein, il faut que ça monte. Hein. De la saucisse! C'est la fête à la saucisse! J'ai quoi dans mes dépôts? On peut voir un peu ce que j'ai? 74 les poissons sans augmentation, les planches sans augmentation, les fringues sans augmentation. Sans augmentation, quoi. C'est la fête au village, qu'est-ce qu'il y a? On a besoin de plus de bras. Et on a besoin de plus de bras, évidemment. Mais je me doute bien. Ah, on a du mal à atteindre quand même cela là-bas. C'est pas évident tous les jours. Ouais, bah j'attends. Yes, c'est cool. Oui, il se passe plein de choses. Hein. Wow, c'est incroyable. C'est bon, j'ai mis fin à sa transaction. Un petit arbre juste là. Incroyable. Il est tellement beau cet arbre. Oh non, attends, j'ai encore mieux. Le petit puits tant rêvé. Oh, regardez, oh, comme il est beau. Ça, c'est un vrai petit puits sans anticrène là, je sens rien, il est incroyable. Il est incroyable. Grosse pénurie partout, c'est ça? C'est ça, c'est ça d'ailleurs, hein. C'est un peu compliqué. On vous a la bonne, hein, ça oui. Mais bon, 3 sur 10, hein. Je suis obligé d'attendre que ça monte aussi, hein. Vous êtes marrant. Yes. On est obligé d'attendre que ça monte un peu là, non? Non, on est coincé? D'attendre que ça monte tranquillement. C'est quoi le bonheur? Nouvelle. Ok. D'accord, c'est différent. Modificateur. L'accès au pub. Pourquoi là il y a un panneau rouge? Ouais, t'as 99%. Ah. Yes. Sujet d'internet. Permis de commerce, bah oui, bah j'attends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vais glisser pour déposer un objet ici. Placement de fret et tout. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait une histoire là, obscure là, d'objet là, et que j'avais une bonne femme. Bah ouais. Ralenti par les dégâts, moins 40%. D'accord. Et on peut te mettre là-dedans? Oui! Oh, ça marchait. Il suffisait de le glisser dedans. Incroyable. Ouais. Bah, il me faut toujours. Alors, c'est bon, ça y est, population positive. Ça, c'est good. Ça, c'est good enough. J'ai good enough. D'accord. Les freins, tout ça. C'est tissé là, vous aussi, c'est bon. La population est en augmentation, on est bien. Plus 15, on peut peut-être commencer à passer quelques maisons. Ouais, on peut commencer à passer quelques maisons. À 2 en fait, pour être très exact. La troisième, peut-être. Plus 8, hein. Je suis au cordeau, hein. en effectif, je suis au cordeau, mais sévère. Hein. En sachant que je suppose que les ouvriers, ouais, ça, ils peuvent pas augmenter parce qu'ils ont pas leur saucisse. Pas de saucisse. Pas de saucisse. Juste, y a pas de saucisse. Attends.
Attendez, il y a un monde à explorer là. Archibald Blake, qui est le représentant de la reine, a toujours des marchandises et des objets à s'en rendre à son port. D'accord. Accrochez-vous à vos bretelles et en avant à la bonne heure. Je paye. Ouais. Clicker, diplomatie. Ouais, Blake, 23 tonnes de briques. Ouais, d'accord. Mais comment je lis 23 tonnes de briques? T'es mignon, mais de la brique j'en fais pas, je peux pas en faire. Ah attends, bah si, ça a dû être débloqué maintenant, non? Bah non. Bah non. En fait, juste... Ah ok, y en a qui traînent sur mon territoire. Alors attends. Alors, s'il en traîne sur mon territoire... Là, le jeu te donne des conseils des fois à certains endroits, mais il ferait mieux de t'en donner ailleurs. Ah, d'accord, ça va déplayer un vieux saloon. Un vieux saloon tout claqué. Recyclez-moi ça, à la limite. Gisement argileux, machin. Mangerie, réserve en ruine, je sais pas, recyclez tout. Hein. Recyclez tout, hein, les mecs, hein. faut y aller. Hein. Soufflerie. Charge des trucs qui peuvent me lâcher des ressources en fait, voilà. Comme ça par exemple. Exactement ce que je cherche. Ah ça c'était du web, c'est pas ce qui nous intéressait. Bah vas-y hein, go tout recycler hein. On a pas trop le choix. Faut que je trouve de la brique, du parpaing. Là j'en ai 20. Et il lui en faut 23. Je les ai presque. Ah c'est bon, je les ai. Sa Majesté n'a guère de patience. Alors c'est quoi ça? Je ne tarderai pas. Oui bah d'accord, mais alors faut faire glisser, hein, c'est ça, ça va être encore un délire comme ça, marchandise. Et là j'en ai 25. Ok c'est parti, bah vas-y. Ça ici. Bah mouvant. Alors attendez, j'ai des ouvriers encore que je peux transformer. Transformer de l'ouvrier. Un peu d'huile de coude? Un ouvrier a besoin de quelque chose pour vous. C'était de mon oncle, je suis sûr que ça pourrait vous servir. Allez-y, prenez-la. Moi, je suis qu'un rouage. C'est vous qui actionnez les leviers. Ah bah, merci. Je gagne un objet. Ah, c'est donc fait. Je descendrai pas plus bas. Ouais, c'est bon. C'est fait, hein, monsieur. Ça alors, vous tenez vos promesses. J'ai découvert certaines lacunes auxquelles il faudrait remédier. Yes, bah vous m'emmerdez tous, donc vous allez juste attendre 2 secondes le temps que voilà j'arrive ici, déjà. Un succès retentissant. C'est formidable. Je suis très content pour vous tous, fermez-la maintenant que je puisse améliorer mes bâtiments et avoir mes 150 ouvriers, merci. Vous avez franchi une nouvelle étape. Alors, construisez une corporation. Et attendre qu'on me contacte encore au sujet de mes dettes. Tu as la trempe de notre père. Ces gens te suivront comme ils le suivaient autrefois. Tes haillons ont à peine épongé quoi que ce soit. Je veux des voiles. De toute façon, tu n'en fais rien. Ok. Non mais attends, tu te calmes. Très clairement, notre oncle cherche avant tout à nous empêcher de posséder un chantier naval. De la voilure? Tu veux de la voilure? Ah. Allez, hâte-toi un peu. Ok. Voilà, merci.
Ça c'est fait. Attends qu'on contacte une corporation. J'ai une corporation, d'accord. Parti, cool. Elle est stockée où ta corporation, c'est mort. Route, marché, résidence de fermier, petit entrepôt, pêcherie, eau de vie, vêtements, caserne, fermier. Ah, bâtiment. Oh putain, jeu de merde. Ok. D'accord, donc ok, tout est TC, hein. Alors, est-ce que je peux voir mes objets? C'est quoi ça? Productivité plus 25% productivité. Ok, donc c'est tout et n'importe quoi plus 25%. Ok. C'est cool. Est-ce que c'est un rayon d'action? C'est un rayon d'action. J'adore. C'est un peu comme Dior, si vous voulez. J'adore. Ah, le truc, c'est que je peux pas le faire parce que je suis en mode architecte, puisque j'ai pas de briques. Évidemment. Monde bien fait, jeu bien fait. Mais ça, c'est bien, on peut préposer nos bâtisses. Je suis en train de voir si on peut péter. Si j'ai pété des trucs à récup. Ah, celui-là. Ça, ça. On récupère tout. Laisse des briques. Laisse des briques. La planche. La briqueterie la plus proche, ça va être ça. Carrière d'argile. Une minute. Donc là, il faut deux briqueteries pour une carrière. Ok, c'est parti. Ah, il faut la mettre dessus, ok, parfait. Et bah voilà. Et voilà. On va pas s'embêter, oh. Bien que. Ça c'est fait. Il me faut un dépôt. Non mais pas ça, un dépôt. Voilà, alors l'alignement de bâtiment est absolument parfait. Il faut de la route pavée là. Je crois en entendre parler, il faut du pavage qui se rapporte au plumage. Pour le reste on verra, mais pour cela ça c'est clair qu'il m'en faut. J'ai bien envie de dire raccordons cela ainsi. Ah, petit pont. Instant, on fait ça comme ça, mais voilà, au moins ça tourne, au moins la baraque tourne. Ok, donc du coup il y a plein de choses, des cochons, des gric-gric. Alors par contre il va me falloir des fermiers, je vais pas en avoir assez, hein. Clairement. C'est quoi si je le colle là? En même temps je suis pas sûr que t'as envie de vivre à côté des cochons. Je pense que les cochons, voilà, je pense que les cochons. Les monsieur porc, un peu plus loin ou beaucoup plus loin. On sait pas. Moi j'avoue je sais pas. Mais je pense que je vais tirer plutôt une autre route par là. Parce que j'ai pas non plus envie qu'on ait un effet de pollution. Je sais qu'il y a ça dans le jeu, hein, une histoire d'effet de pollution. Du coup ça m'intéresse pas. Cochon. Les gruigruic. Le truc c'est que je sais pas quelle tronche ils ont les champs dans l'histoire. Je vais te mettre là. Il faut en mettre 5. D'accord, c'est des petits machins comme ça. Ah non, 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 non. Juste toi. Ah d'accord, ça déplace tout. Yes, bah alors dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est que... Ah oui, non, mais ok, c'est chiant. Donc quand c'est chiant, voilà, c'est chiant. Les champs pourraient être utiles. Non. Non. On est au petit soin. Ah, j'optimise, hein. Je vais mettre un champ en bordure, là. C'est enfin un truc de gruc-gruc. Vous m'avez compris. Vous m'avez complètement compris. Si vous m'avez pas complètement compris, c'est un peu dommage quoi. 1, 2, 3, 4. Est-ce que genre 5 là? Allez, 5 là. Je crois qu'on est bien.
Donc, on produit du grug-grug toutes les minutes et des saucisses toutes les minutes. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a juste aucune embrouille. Partie sauvegardée. Ouais, je me doute, ouais. Parce que l'objectif, c'est toujours d'être à une certaine distance de la ville tout de même. Pourquoi je peux pas? Parce que j'ai pas assez de brick-brick. Yes, et de toute façon, il va falloir que je décale d'un poil parce que j'ai envie de mettre une route. Pas une route. Un chemin. Ici. Waouh! Installe-toi, je t'en prie. Yes. Voilà. Arrêtons toutes ces cochonneries. Alors, plus de. Moi, je pense plus de cochons hein, dans cette histoire. Hein. Plus de cochons. Plus de grug-grug, quoi. Toujours plus hein. On est dans l'abus. Je veux pas en mettre là hein. Ah si on pouvait shit, on pouvait en mettre un là. Ouais. Du coup celui-là je l'aurais bien déplacé. Non mais on est là pour faire des trucs jolis, esthétiquement parlant et tout, voilà. On est pas juste là dans la brutalité, on est aussi là pour le beurre de karité. Et voilà, et là c'est très joli. Et là c'est très joli. Très très beau. C'est pas mal hein. On manque du matériel nécessaire. Ouais ça va arriver, t'es KT ma petite gueule. Ah, on a toujours pas ce qu'il faut. J'ai pas 4 vols dans mon stockage moi. Il fallait que je construise une corpo. Pourquoi elle est pas faite? Ah oui, parce que j'ai pas de briques, c'est ça? Et il me faut 5 briques. Et je les ai pas. Faut me sortir des briques, hein, les poulets. Hein. Yes, c'est bien. Ouais. Il y a des choses. Hein, c'est intéressant. Je peins une église. Bon, ça va être joli, ça va poser, non? C'est surtout balèze à poser, ouais. Ouais, c'est joli, c'est joliment balèze, hein, surtout. C'est un peu épique. Ah, à côté des cochons. Je pense que meilleure église du monde. Hein. Je pense qu'une église à côté des cochons, vraiment. Vraiment, the église. Hein. Ouais, la portée du marché, on peut la voir. Hein. Ouais, elle est convenable. On pourra de toute façon tirer une route éventuellement. Pour rapprocher tout ça. Une, deux, déco. Ouais, ça tiendra pas de ouf. Le pub est là. Donc normalement, ça tient aussi le pub. Hein, c'est assez loin. Ouais, je sais pas si je refais des habitations. Je sais pas. Allez. Il y a la place, le destin voulait que ce soit là. C'est pas moi qui décidais, c'est le destin. Je parlais pas. Un petit 4x4 comme ça là, tranquillement. Et on se met des arbres, voilà, des petites décos, des trucs kawaii. C'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Ah, ils sont quand même un peu gênés par les odeurs, visiblement. Mes figues, mes raisins. Ça va. Ça va. Y'a plus d'alcool. Comment ça? Mais vous avez fini de picoler? Mais. Ah oui, vous êtes des Anglais. C'est vrai que ça.
ça boit un peu, c'est vrai que... C'est vrai que ça picole un peu. L'anglais, ça a soif. Voilà, c'est bon, elle est faite, la corpo. Voilà, on est très corporatiste, voilà. Partie sauvegardée. Voilà, c'est magnifique. Tu sais, plus de picole. Tu me rends un peu d'espoir en l'humanité. Non mais ça c'est parce que je dois avoir qu'un pub. Ça je me connais, j'ai qu'un pub. On n'a pas la portée de ce truc là. J'ai qu'un seul pub, hein, il est là, c'est ça. Ah non, dispense... Non, c'est vraiment les quantités que j'ai pas en fait. Ah, je suis à zéro. Ouais, c'est vraiment, vous êtes des Anglais quoi. Vous passez votre temps à boire comme des trous. Rétrospif. Non, c'est pas possible ça. Vraiment, faut changer de comportement. Ah ouais, mais si je veux rajouter un poiscaille, ouais, faut que je garde un peu de place. Il faudrait pas que je le rajoute maintenant pour voir. Non, il se mettra là. Ouais. J'en mets un autre. Je tire de la route. Ne pas tomber en rate de poiscaille, c'est quand même une denrée de base, ça serait quand même un peu cool. Et du coup... Trop loin, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, on peut presque faire... Attends, c'est quoi ? On peut presque faire... Un truc comme ça, ce serait pas mal. Ce serait à combien ? 43 sur 72. Il y a un style. Moi j'ai pas envie d'en faire de plus, j'ai envie que ça reste comme ça. Voilà, parce que c'est très joli. Voilà. Quand c'est très joli, faut le dire. Je sais pas, on va les acheter les 4 voiles de ces morts ou... Rentrer 4 voiles, c'est si compliqué que ça. Par contre les briqueteries c'est la galère. On n'a pas assez d'ouvriers. Là, il faut plus d'ouvriers. Giga quartier, l'ultra quartier, hein. Ultra quartier. D'autres questions? Ultra. J'ai pas plus gros. Et le représentant de rien, il y a toujours des marchandises et des objets intéressants à vendre à son port. C'est-à-dire une partie de croquet, des machines à coudre, des briques. Du métal, du charbon, tout ce que vous avez à lui offrir. Tu vends des objets. Auto-réparation. Guérison active. Vitesse à voile de 100%. Point de vie, vitesse. Ah, il vend des trucs de navire et tout. Sa Majesté ne perd pas de temps à table. Et quand elle a fini... Nous aussi. Ah, c'est marrant. Ah, tu peux lui redemander des objets et tout. Ah. C'est très rigolo. C'est très sympa. Bah, les 4 voiles, oui, mais alors les 4 voiles. Si tu veux. Alors, attends, c'est quoi? C'est les dépôts sont pleins. Ça déborde de partout. Ça déborde de partout. Effectivement, c'est embêtant. Pourtant, ça devrait baisser. 20 et 20 planches. J'ai quoi? Je suis en galère, c'est ça? Je suis en méga galère de planches. C'est vraiment le... C'est le projet. Yes, ça a l'air d'être le gros projet. Voilà, on va être un petit peu moins en galère pendant quelques secondes. Ça va vraiment être quelques secondes de galère en moins. C'est toujours quelques secondes de gagner. Hein. J'ai bien envie de te dire. Ok, on a fait le tour vite fait. C'est constructible ça?
Non mais ça. Non, il faut masse briques, mais ouais, j'en sors pas assez quoi. Il faut masse briques. Bah, il faut une deuxième zone à briques. Faut une deuxième zone à briques qui va être celle-ci évidemment. Ou alors j'en ai une un peu moins chiante à atteindre. Parce qu'elles sont toutes très loin quoi les briques. Hein. C'est vraiment. Ouais, celle-ci on va pouvoir faire une disposition un peu plus propre peut-être sur celle-là aussi. Allons-y sur les ouvriers. Un concurrent s'est établi sur une île. Ah, formidable. Je suis très content pour eux. Place pour le dépôt, c'est pas trop grave. Ah, j'ai vraiment plus. C'est vraiment la misère. Ça, au moins, on peut le faire ou pas? Ça, on peut le faire. Et après, l'extension de pont, là, par contre, il m'a dit non. Là, il m'a dit. Mais le problème c'est qu'il me dit pas combien ça coûte. Moi je demande. Yes. Hop, on revient ici. Par contre, il me faut un dépôt. Yes. Bah là. Là. Ouais, voilà, on peut coller au bord. Il n'y a pas de case ici, c'est la case vide, c'est ça. Ou alors je le colle là en fait aussi. Ça marche bien. Ou alors ici. Et il pourra faire les deux. Ah ouais, c'est pas mal du tout ça. J'ai vérifié les registres. Nos bâtiments ne sont pas tous en mesure de livrer les marchandises qu'ils produisent. Il faut y remédier. Oui, je crois, hein. Les promesses honorées sont rares. Merci. Ah, ça me fait plaisir. J'étais en train d'infliger, j'étais en train de me dire ça va être un truc vachement destructible. Ça m'a l'air assez dangereux cette histoire. Mais il y a une histoire de voile là aussi, hein. Faut fabriquer de la voile. Élevage de moutmout. C'est quoi, c'est l'élevage de moutmout classique? C'est encore autre chose. Oh, ça a l'air d'être l'élevage de moutmout classique. Alors j'ai pas regardé, 0,30, c'est très bien. Ah mince. Ah ouais. A plus de place. Un peu ça quoi. Oh, le jeu vient de nous dire a plus de place. À 96%. Ça faut que je te recule encore. Je vais te mettre toujours plus loin. Et du coup, toi, je vais te reculer de deux cases. Ah oui, parce que le problème aussi, c'est la mer. Et oui. Pas du tout, faux, ramène-moi. Oulala, qu'est-ce que j'ai pas fait? À 99%, peut-être à cause de la route. Pourquoi te dire d'autre que je vais faire un petit puits, hein. Un petit puits comme ça, avec deux petits bosquets là à côté là.
Ah, je peux pas en mettre un là? Ah non, je peux pas. Donc avec un petit arbuste, comme ça là. Petit pommier. Un petit pommier qui a l'air paumé, tu vois. Vraiment, voilà, ça c'est beau. Avec un petit carrefour un peu super spécial là. Parti, sauf très joli. Incroyable, hein. Oui, on part sur une vidéo d'une heure. Hein. Vous êtes habitué, hein, faites pas genre. Je mets des pommiers. Pourquoi pas, hein. Ok. Bon bah jeu très agréable en tout cas. On peut vraiment y passer des heures. Hein. C'est je pense que c'est assez cool. Qu'est-ce qu'il te faut là? Ah, il manquait juste des thunes pour te sortir de terre. Ok. Ah, il manque des ouvriers. Alors c'est parti, il faut des ouvriers. Hein. Alors, c'est la foire à la saucisse, allez c'est parti. Hein. Il en manque encore. Parce qu'il faut 4 planches. Mais on est vraiment à la zeub en planche quoi. C'est officiel. C'est la misère de la planche. À côté de la saucisse. À côté de la saucisse, on se met des planches. Il n'y a pas de mine ici. Moi j'aurais bien mis que des planches par là. Ok. C'est parti. Il faut de la planche. Pénurie de main-d'œuvre. Je me doute un peu, ouais. Oui, je me doute un petit peu en fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. 0,15, 0,15. Hein. On est sur de la planche ultra rapide, hein. On est sur de la planche ultra fast. Qu'est-ce qui se passe? Zone de construction bloquée. Oui, non, mais en dehors de ça, pourquoi? Ah, mais parce que oui, mais il y a les moutes-moutes. Il y a les champs que je vois pas, mais il y a les champs de moutes-moutes là qui. Voilà, c'est ça. Il y a les champs de moutes-moutes ici. J'aurais dû y penser. J'y ai pas pensé. J'ai fait une bavure. Non, mais faudrait pas que je mette ça là. Il faudrait pas que je mette ça ici. Est-ce qu'on se mettrait pas plutôt ça? Genre. Tiens. On commence à se faire un début de route là. Se taille un milieu de route au pied de la montagne comme un gros sac. Oui, l'entrepôt, on est au courant, l'entrepôt il est un petit peu loin. L'entrepôt le plus proche, on a compris qu'il était un petit peu loin. Il y a un truc qui manque. Ouais, oui, je veux bien croire qu'il y a un truc qui manque. Ouais. Ah, c'est assez incroyable, c'est fou hein. Franchement, il manquait un entrepôt, c'était vraiment... C'était très étrange. Mais on peut pas avoir son rayon d'action à ce coup. Ça va? Ok, ça compte. Est-ce que j'ai la place pour genre rajouter un au pif là-dessus? Ouais, mais il sera pas très... Il sera pas très performant, quoi. Vaut mieux que je me prépare à refaire une route dans ce sens-là. Avec encore des plantations par là. Donc autre chose. Donc on en manque d'ouvriers encore. On manque encore cruellement d'ouvriers. Quoi, ça va augmenter le nombre d'ouvriers là, non? La routine, quoi. Ouais, mais ils veulent du pain. Hein. Ils veulent du pain, les mecs. Du pain et des jeux. Hein. Pas tortiller. Hein. Eh bah écoutez, ça c'est des ouvriers. Bah vas-y, hein, c'est parti. De nouveaux bâtiments ont été débloqués. Yes, pourquoi, qu'est-ce que quoi? Jamais j'ai plus de planches quoi. Comment tu fais quand t'es fait quoi, avertissement? Il manque le niveau de main-d'œuvre d'ouvrier à Pitchpeter. Non mais d'accord, mais on s'en fout.
Moi je voulais tisser des voiles. Moi je voulais faire des voiles dans ma vie. Partie sauvegardée. J'ai pas de planche, pas d'ouvrier, pas de thunes. Allez, je peux pas supporter le coût d'entretien non plus. Ah ouais, d'accord. Et ben, d'accord. Et ben, on va gaspiller des planches pour faire monter les gens de niveau. Ce qui va m'assurer un meilleur revenu. Et maintenant, je l'ai, c'est bon. Par exemple, le revenu. Ouais, je peux supporter le coût d'entretien. J'ai pas le nombre d'ouvriers. J'ai pas les planches requises, évidemment. J'ai pas de planches. Hein, j'en ai... C'est pas de planches. C'est vraiment le truc. S'il y a un truc à retenir, c'est... J'ai pas de planches. Je suis déprimé. Pas de planches. Pas de planches, c'est déprimant. Hein. Quand tu commences à en avoir un certain nombre. Ah bah là, il manque que 20 planches. Ouais, donc en fait, des briques j'en ai, c'est des planches que j'ai pas. C'est le gros style. Okay, c'est parti sauvegarder, incroyable. Ok. Et donc là en fait on peut rien acheter et voilà, fin de l'histoire. Hein. C'est débilos. J'ai rien compris à leur système. C'est sûrement très intelligent mais j'ai sûrement rien compris. Yes, une planche de plus s'il vous plaît. Alors, histoire de ce machin là. Il faut 20 planches pour améliorer ce truc. Chargement des rampes, c'est recharger, décharger les chariots. Chaque rampe ne peut accueillir qu'un seul chariot à la fois. Allez, donc plus de chariots, donc plus vite quoi. C'est ce qu'il y a vraiment besoin de plus vite. Enfin, je ne sais pas. C'est sorti de terre. Wouhou. Incroyable. J'ai du poisson, je suis pas au plein des entrepôts. Le poisson c'est une marchandise. Ah c'est plus si fou que ça hein. Faut se méfier hein. Deux planches. Franchement, deux planches. Si je le fais pas, c'est que je suis vraiment un con. Voilà, très joli. On fait des voiles. La bonne voile. De la bonne voile. Ah, les gens veulent quelque chose. Un peu d'huile de coude. Ouvrier vous propose une quête photographique. Prenez des photos. Retrouvez-nous sur la place du Moi, marché. Moi, je suis qu'un rouage. C'est vous qui actionnez les leviers. Voilà. Yes, bah envoyez la photo. Pas mal. Punch Club. Pour un grand patron. On n'était pas censé en parler. J'ai goûté une vie d'objet de personnage, le cadeau d'un ouvrier. Ok. C'est cool. Bon bah j'ai une photo. C'est bien comme quête moi. J'aime beaucoup. C'est quand ils veulent. Hein. C'est vraiment quand ils veulent. Hein. Alors mes revenus sont pas dingues. Hein. Passer des mecs en ouvrier, ça rapporte pas mal de thunes. Je suis en train de me dire plus d'habitations, toujours plus. Hein. Des habitations en abus, si possible. Alors, est-ce qu'on peut avoir le champ d'action du marché? Parce que je pense qu'au bout d'un moment, voilà, d'un moment le marché ça commence à devenir délicat. On va peut-être en faire un autre. On verra bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Non, mais la misère de la planche, quoi. C'est le supplice de la planche là à ce niveau là. Urbaniste, succès déverrouillé. S'ils volent. Yes. Ah, on peut faire un petit port. Oh là, il y a plein de trucs dans le port là. Oh, il y a un million de trucs. Mais d'abord, comme on sait, il nous faut du pain. 1 minute 30 secondes. Donc il faut 2 fermes pour un moulin. Alors attends, le moulin il va super vite. Il faut deux trucs de blé pour un moulin et deux boulangeries pour un seul et même moulin. Okay.
Il y a avec le moulin qui dépote à fond, quoi. Ce qui est intéressant. Moi, je pense que on a besoin de revenus. Parti, sauvegardé. On va rallonger la taille du Bronx. Ah oui, mais non, ça sert à rien de rallonger la taille du Bronx. La productivité, même pas un petit peu. Il reste un petit peu de place là, vite fait. On va peut-être mettre une déco ou deux, un puits avec quelques pommiers, voyez-vous. Voilà. Les thunes, ça a du mal, hein. Un millier de personnes, quand même. Et on sort de la voilure. Non, on manque de dépôt, hein, c'est ça. Hein. Un incendie s'est déclaré. Où ça? Où ça? Où fait la police? Où ça? C'est où? Ah, mais là il faut les pompiers là. Qui font les pompiers? Non, mais normalement il y a masse pompiers. Ouais. Ça, il y a masse pompiers. Ah, c'est en train de cramer toute la zone quand même. Hein. Non, on risque quoi? L'incendie fait rage. Étouffe ce brasier rapidement. Ah bon, on fait ce qu'on peut, monsieur. Hein. J'ai même recruté du sup, hein. Je peux pas faire plus. Hein. Là, il y a une quinzaine de pompiers par truc, je peux pas faire plus non plus. Hein. On est en train d'éteindre l'incendie, hein. Je fais ce que je peux. Hein. Allez. Ah bah, j'ai mobilisé 4 escouades de pompiers, à un moment donné. Si tout doit cramer, tout cramera, hein, c'est ce que je te dis. Je sais que ça se répande. Donc même les routes qui séparent les bâtiments, ça suffit pas en fait. Hein, c'est vraiment, l'incendie passe de l'autre côté sans problème. Bon, on sait, hein. Ah putain, c'est long, hein. Honore cet immortel. Yes. L'incendie a été maîtrisé. Bah parfait. Bon alors du coup le risque de niveau d'incendie. Ah, il est quand même vachement vénère chez moi. Parce que les casernes de pompiers sont toutes super loin de ce qui se passe au bout d'un moment, quoi. Alors excusez-moi, déjà on va remobiliser du pompier ici tout de suite. Ensuite on va remobiliser un dépôt ici tout de suite. Voilà. Ouais, bah tiens, prends les dévoiles. Ce que tu fais ne changera la donne. Très bien. Du coup, là, le risque d'incendie, il tombe. Hein. Il tombe rien du tout. N'aurais-tu pas aperçu un transport de prisonniers battant mon pavillon? Si c'est le cas, rapporte-moi tout ce que tu pourras en sauver. Ah, mais merde, en fait, excusez-moi. Ouais, non, mais là, à un moment donné, il faut s'arrêter. Foutez-moi la paix. Je sais pas, il vient le bateau. Un petit bateau. Il est en train de se déplacer. Je vois pas du tout où on est sur la map. Ah oui, d'accord. Ensuite, on est à côté de l'île de l'autre. Ok. Il y a un bateau qui se balade, il n'en a rien à faire. Tranquille la vie. Sauvez! Allez-vous aussi racheter une grossière injustice? Qu'est-ce à dire? Les accusations d'Edvard contre nous sont de grossières calomnies. C'est un imposteur. C'est-à-dire? Une lettre cachetée du sceau d'Edvard. On va mettre ça ici déjà. Tant que tu viennes, ouais. Et mais encore. Ne songe même pas à abriter les complices de Samuel.
Livre-les tout de suite. Alors, obtenez le document caché. Et alors, je pourrais bien effacer ta dette. Oui, mais je m'en fous, je peux la payer à la dette. Alors, soit je te livre les reins, soit. Ouvre la lettre. À coup sûr, il manigance un mauvais coup. Non, mais d'accord, mais mon bateau. Alors, cher gouverneur. Edward a beau être un individu méprisable. Il n'en est pas moins illégal d'ouvrir ses lettres. De ce qu'on veut dire, traître Samuel, les chefs d'accusation et les condamnations, entièreté de langage, les entraves forcées, machin, etc. Des trucs et des conneries. D'accord. C'est impossible. Ce sont les gens en qui notre père avait le plus confiance. Des avocats, des médecins, des universitaires. Alors, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Même alors moi, que je n'en reviens pas d'une telle corruption. Nous devons en référer aux plus hautes autorités et espérer que se tienne un nouveau procès. D'accord. Que ne donnerais-je pas pour sortir de mon bureau étriqué ? Archibald Blake, c'est ici. Hop, on livre. Livre. Livraison. Vous propose une quête de récupération. Oui, on va te la prendre, mais d'abord je livre des gens. C'est une affaire cruciale pour la reine et la nation. De récupération. Oui, non, mais je prends toi. Oui, bien sûr, mais on va tout aller chercher. Ça nous fait plaisir. Mais juste, on va réduire un peu la taille de ce journal de quête qui m'énerve un peu. Voilà. Et on va vider mon stock aussi, hein, parce que là. Encore un jeu qui n'aime pas la pluie. La belle île a été découverte. Magnifique. Que m'apportez-vous là? Est-ce qu'il a vraiment... Oh, ma foi, confiez-moi donc ces pauvres gens. Je signifierai à Edward que la dette entre vous n'a plus lieu d'être. Voilà. Tu bah, n'avais écoutez, pas à t'en mêler. De quel droit la couronne se pique-t-elle d'éplucher mes comptes? De quel droit? Parce que c'est la couronne, c'est le gouvernement. Je t'expliquerai bien ça, mais dans une prochaine Votre vidéo. Votre générosité nous fait chaud au cœur. Votre père serait fier de vous. Oui, c'est génial. Foutez-moi la paix. Fermez-la. J'en remercie, c'était que la fonction comme d'habitude. Je suis soulagé que notre légitimité ne soit plus remise en cause. Bon, en tout cas, il y a toujours des trucs à faire. C'est bien, c'est rempli, c'est complet et c'est cool. À part qu'il faut refaire toutes ces touches, hein. Je sens déjà l'odeur du goudron et du bois calfaté, comme oui, à l'époque de notre père. Fous-moi la paix aussi. Fermez-la. Voilà, des bisous. Ciao.